Promixité vous est présenté par Engie, acteur engagé en faveur de l'égalité professionnelle. Bonjour à tous et bienvenue dans Promixité, l'émission qui vous parle de la place des femmes dans le monde du travail. Aujourd'hui, focus sur le milieu hospitalier, éclaboussé lui aussi, vous le savez, par le mouvement MeToo. Justement, une étude de l'association Donner des ailes à la santé lève le voile sur ces mauvaises pratiques. On y apprend par exemple que 29% des femmes médecins ont déjà été confrontées à des propos sexistes sur leurs compétences et 26% sur leur physique, que 11% ont subi des comportements intrusifs, 19% des questions répétées sur leur vie sexuelle, 7% des gestes inappropriés et 5% des agressions sexuelles. Parmi elles, seuls 36% en ont parlé au sein de leur établissement. Et puis côté carrière, cette fois, l'étude note un désintérêt croissant des femmes pour les postes à haute responsabilité, en raison notamment du stress, de la fatigue ou encore du manque de temps pour la vie perso. Sachez enfin que 46% ont retardé un projet maternité pour des raisons professionnelles. Voilà, Promixité, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Public Sénat. Promixité vous a été présenté par Engie, acteur engagé en faveur de l'égalité professionnelle.